What's up, c'est Gloria. Je vais vous faire la première story time sur ma chaîne. C'est une story time assez embarrassante parce que moi je suis la fille qui me ridiculise le plus. On va commencer. Il était une fois une jeune fille qui s'appelle Gloria. Tu vois, t'étais. Cette story time s'est passée il y a environ un mois. Donc déjà, en fait, il y avait une pote qui m'avait appelé pour que je sorte parce que ça faisait longtemps que je l'ai pas vue et pour qu'on aille en ville et tout. Donc tu vois, en fait, j'avais un pantalon que j'avais acheté sur un site. Je sais pas si je vais le dire parce que ça se... Remouille, s'il vous plaît, revoyez vos pantalons parce que... Non, enfin, vos jeggings parce que la vérité, ils sont pourris. Mais quand je vous dis pourri, c'est pourri. Parce qu'en fait, le truc, c'est que déjà, c'était un jegging taille haute. Normalement, quand tu portes un taille haute, avec ça, tu portes un crop top. Je porte ce pantalon, enfin, genre, c'était la première fois que je portais pour aller dehors. Déjà, quand je l'avais mis, pour moi, c'était chelou parce que la braguette, elle était grave ouverte. Elle était genre premier plan. Il n'y a pas d'arrière-plan, mais premier plan. En fait, tu vois, d'habitude, t'as ça là qui couvre, ce truc là. Mais non, moi, il était genre ouvert comme ça. Genre, il n'y avait rien qui le couvrait. On va dire que vous comprenez ce que je veux dire. Oh, ma chaise, elle grince de ouf. Bref, je monte dans le bus, je fais le trajet. Du coup, je descends, je vois une pote, j'assiste, tu passes par là, WhatsApp, où je lui fais la bise. Après, je vois un pote qui s'appelle Quentin. Et là, à ce moment-là, je regarde mon pantalon. Normal. Et là, je vois... La braguette était ouverte. Genre, les dents, elles se sont séparées. J'ai fait genre devant mon pote, ouais, j'ai trop mal au ventre. Enfin, tu vois, genre, je faisais l'actrice. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais pas mal au ventre parce que j'étais grave mal à l'aise. Genre, j'avais la honte. Oh. Wesh, le gars il était prêt à avoir ma culotte, c'est comment? Sur le coup, j'avais ramené une veste. Dieu merci, j'avais ma veste. Pourquoi ça met des bouts comme ça? Bah, j'ai attaché mon truc autour de la taille. Mais genre, ça faisait archi moche parce que en bas, tu vois, on voyait quand même qu'il y avait le trou. J'étais en mode sapé comme jaja, mais version wow. Au moment où j'ai attaché mon gilet, bah, je suis allée lui dire ouais, ciao ciao, bye bye. Du coup, allez, après, je suis partie dans un endroit pour me cacher. Et du coup, là, j'ai enlevé ma veste, enfin, autour de ma taille. Et j'ai commencé à voir le. C'était quoi le problème, tu vois? Parce que pour moi, la braguette, en fait, il y a eu un bug. En fait, c'était les dents qui s'étaient séparées, bref, bref. Et du coup, tu vois, avec la braguette, j'essayais vraiment de la remonter. Nanana, et après, il y avait un passant qui est passé. Il a cru que je faisais des choses cheloues. Mais non, enfin, je sais pas, c'était pas chelou. Moi, j'essayais juste de réparer ma braguette. Mais bon, du coup, quand il m'a vu, bah, j'ai tout de suite arrêté. Parce que. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu le premier tram qui arrivait. Du coup, je suis tout de suite montée. J'ai reattaché mon truc à la version blader. J'ai même pas la couille. J'ai attaché et puis j'ai monté. Enfin, je suis montée. Quand je suis montée et tout, il y avait les gens qui me regardaient chelou en mode Scarface. Genre, ouais, j'allais à quoi la go. Petite pause, j'ai besoin de boire. Continuons. J'avais qu'une obsession, c'est genre, tu pars dans un magasin et tu t'achètes un pantalon. Parce que je vais pas me trimballer comme ça toute la journée, vraiment autant que je rentre chez moi, que je me pends. Et puis voilà. Donc voilà, je me dirige au magasin et là, devinez quoi. Genre, devinez quoi. Des abonnés, c'est la honte, mon gars. Wesh, ils te voient comme ça, t'es pas prêt, t'es pas on pont. Bon, même si parfois 90% je suis pas un pont quand il y a des abonnés qui me voient, mais c'est pas grave. Cœur sur vous si vous me voyez, bisous, bisous. Mais j'essaye de pas les calculer pour pas qu'ils m'interrompent parce que vraiment c'était la honte pour moi. Parce que voilà, j'étais pas prête. Et eux-mêmes, je crois qu'ils étaient pas prêts de me voir comme ça. Dans ma tête, c'était vraiment trouve un pantalon, trouve quelque chose pour que tu couvres ce massacre. Vraiment, dans ma tête, c'était pas genre en mode tu viens en mode t'as le temps, tu vois, une équipe. Non, pas du tout. Du coup, voilà, je suis là, je suis en train de regarder en mode vas-y, ça c'est quelle taille 38, ok, d'accord, nanana, ça c'est quoi. J'étais en panique, genre je commençais à suivre. Je dirais, j'avais fait le parcours du combattant, je sais pas ce que j'ai. Mais wouh. Et tu sais, je les entendais par derrière, genre c'est pas moi. Moi j'étais dans non. Et là, il y avait une maman qui est venue vers moi et qui m'a demandé excuse-moi, tu fais pas des vidéos? Et moi j'étais genre oui c'est moi, oui. Ouais, parce qu'il y a ma petite fille qui regarde tes vidéos, elle aimerait vraiment avoir une photo avec toi. Ah d'accord, c'est gentil, merci. Bah non. Quand j'ai dit le mot viens, pardon, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai honte quand j'y repense. Oh là là. C'est pas grave parce que le neurodique ne tue pas, sinon je serais morte depuis longtemps. Du coup, l'abonné, elle arrive et tout. Et là, je vois que, en fait, mon gilet là n'a rien tenu. Enfin, comment vous dire que on voyait tout. On voyait tout. Du coup, il y avait d'autres gens qui m'ont vu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon sac qui était devant moi, je l'ai caché. Du coup, j'étais en mode position. Tu vois, j'attrapais bien mon sac en mode. La position la plus awkward. Donc j'en sais, ils ont dû croire que j'étais constipée ou que j'avais un truc dans mes fesses. Et vu que la maman avait demandé à prendre une photo avec moi, il y avait les autres abonnés qui sont venus et qui m'ont demandé à faire des photos. Du coup, bah j'ai pas refusé. Et c'était vraiment... c'était la honte pour moi. Mais j'étais trop mal à l'aise. Là, les photos étaient terminées, j'étais juste à côté de la cabine, tu vois, j'avais pris mes habits parce que j'en ai profité pour prendre une petite chemise et tout au calme. Que je commençais à rentrer dans la cabine des sièges, tu vois, je me suis sentie à l'aise, commençais à regarder quelle...
quelle cabine était libre. Et là, je vois quoi? Non, j'étais pas prête encore. Je vois deux abonnés en face de moi qui attendaient devant la cabine essayage de leur copine et qui commençaient à me regarder en mode... Je sais pas si c'était parce qu'elles étaient choquées de me voir moi ou parce qu'elles étaient choquées de voir ce qui était en bas, tu vois ou quoi. Dieu merci, il y avait une personne qui est sortie, je suis directement rentrée et quand j'étais en train de me changer, j'entendais mais c'est pas Gloria, c'est pas la youtubeuse. Je suis sortie, j'étais maligne, hein, je suis sortie avec le pantalon que j'avais essayé. Je les ai vus et je leur ai souri genre en mode oui c'est moi Gloria, enfin genre en mode coucou. Ouais et après bah à son mieux on a fait les photos et voilà c'était bouclé. Et là, je suis re-rentrée dans la cabine CA, j'ai reporté le pantalon maudit. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la caisse et j'ai demandé ça serait possible que je mette maintenant. Enfin, je l'avais acheté, elle m'a dit ouais, y a pas de soucis. Du coup, bah, je suis retournée dans la cabine CA, bah, j'ai mis le pantalon que j'avais acheté. En gros, je suis rentrée dans le magasin avec des habits et j'en suis ressortie avec des nouveaux. Tout ce qui est chiant, c'est que j'étais pas venue pour dépenser, j'étais pas venue pour acheter des habits. Voici quelques photos de la situation dont j'étais. Ouais, j'étais enfin bref, je sais pas si t'es français, bref, j'espère que t'as compris. Bon, après, je sais que c'est pas très dramatique quand j'y repense, je rigole, mais bon, j'ai quand même honte. Donc, c'était ma première story time, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire si vous voulez encore d'autres story time. Même si c'était pas trop français, tu vois, je suis pas très compréhensible, mais au moins, tu vois, j'espère que t'as compris. On approche à la fin de ma vidéo, je voulais juste vous remercier. Merci, merci beaucoup. On est 900 000 abonnés, enfin, plus de 900 000 abonnés, c'est genre juste énorme. Vous savez pas comment ça me fait plaisir. Je vous aime de fou. Vive la team Glorious. Et je vous fais de gros 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 bisous. Ciao.